Alors, donc, j'ai suggéré à Jean-Pierre qu'on utilise la page web de notre projet pour finalement faire le tour de ce Fab Lab qui, on doit le dire, est un bébé naissant. Nous l'avons lancé il y a de ça une semaine, alors donc c'est tout à fait nouveau. Je vais nécessairement paraphraser tous les gens qui sont intervenus et il y a 15 jours et maintenant, on fait nos classes bien modestement, avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement, mais il reste que faire ses classes, c'est inévitable. Donc, peut-être, comme le thème de la rencontre aujourd'hui, c'est comment on arrive à mettre en place un Fab Lab. Dans le cas de la POP que vous connaissez peut-être, peut-être pas, bien, bref, je vous incite pendant la présentation à fouiller sur notre site. J'ai déjà mis d'ailleurs la référence là, dans les premiers échanges, dans le clavardage. Nous étions, il y a de ça quelques mois, localisé dans un espace qui était un espace, l'espace d'un ancien couvent. Nous avons dû nous relocaliser pour des raisons techniques, puisque le propriétaire avait d'autres plans d'exploitation pour son bâtiment. Déjà dans cet espace, nous souhaitions créer un Fab Lab, un espace de travail, un espace de co-création, un espace d'innovation. Toutefois, les conditions ne s'y prêtaient vraiment pas. Ce qui fait que nous avons dû rendre nos espaces disponibles, mais c'était totalement, on peut le dire, là, c'est plus improvisé, pas éclaté, mais plus improvisé. On n'a pas fait de planification systématique pour finalement s'inscrire dans une perspective de Fab Lab. Notre mission nous amène à intervenir dans 3 volets. Le cœur de notre mission étant toujours l'enseignement supérieur, c'est là où la POP a commencé ses activités il y a de ça maintenant plus de 30 ans. Elle a poursuivi ses activités dans le volet citoyen-communauté en transférant son expertise en enseignement supérieur vers effectivement cette catégorie d'utilisateurs et plus spécifiquement dans le volet citoyen-communauté les aînés. Le volet entreprise et organisation est un volet aussi qui s'abreuve, se nourrit de l'expertise développée en enseignement supérieur, mais c'est un volet que nous devons qualifier comme il est et comme il se présente, alimentaire. C'est ce qui nous permet de réinvestir et en enseignement supérieur et dans le volet citoyen et communauté. Ce qui nous motivait déjà avant que nous changions de localisation, c'est le fait que, dans le fond, c'est une question c'est presque un enjeu écosystémique. Nous avons développé notre expertise en enseignement supérieur au fil des années. Cette expertise s'est enrichie on trouvait finalement qu'on pouvait faire plus et qu'on pouvait faire un meilleur transfert, autre que strictement du perfectionnement, de l'accompagnement finalement disons de l'exploration, de la co-collaboration, de la co-construction. Dans cet esprit, le Fab Lab a commencé, l'idée du Fab Lab a commencé à se développer. En fait, nous ne visions qu'un certain nombre de terrains d'exercice, on va le dire comme ça, ceux qui tournent autour de la technopédagogie. Donc, on reste toujours dans ce champ-là. C'est vraiment une orientation qui nous est spécifique. On parle finalement, bien sûr, à ce moment-là, de ressources technologiques, numériques, mais on parle aussi, dans notre cas, de ressources humaines. C'est vraiment ce qui caractérise notre Fab Lab en technopédagogie. Étonnamment, les 3 champs d'intervention qui devraient toucher les aînés, les parents, les familles, les intervenants pédagogiques, apprentis, seniors, mentors, et également, bien sûr, les acteurs et responsables de la formation, du perfectionnement et du transfert d'expertise dans les entreprises, les organisations. Ils sont déjà ces acteurs-là
ils sont déjà en mouvement. Ils ont déjà à utiliser toutes sortes de ressources associées à la technopédagogie, ce qu'on va qualifier d'outils ou effectivement de ressources techniques. Elles sont peut-être moins dures, entre guillemets, moins. Quand j'entends parler de tout le monde d'outils de découpe, d'outils très spécialisés, en fait, en technopédagogie, ce sont finalement des moyens, effectivement, qui pourraient rendre service, mais nous, on n'est pas dans la dynamique d'un accompagnement disciplinaire. Donc, ça pourrait être utile, effectivement, et si jamais, au regard finalement de l'étape à venir, lorsqu'on aura fait nos classes, il s'avère que c'est pertinent, ben on déploiera davantage du côté disciplinaire, d'outils à valeur ou à portée universelle, mais pour l'instant, on n'est pas rendu. Alors donc, techniquement, lorsque nous avons eu ce changement et qu'on a voulu le transformer en opportunité, et finalement, notre localisation était nettement meilleure pour envisager faire un Fab Lab, puisqu'on a pignon sur rue. Donc, un peu là, comme à Rivière-du-Loup, on est dans le, je vais le dire comme ça aussi, on est dans le trafic. Ce qui n'était pas le cas, on était au troisième étage d'un édifice scolaire, dans le fond, dans le bout d'un corridor, après un parcours quand même assez laborieux. Donc, maintenant, on est beaucoup plus accessible. Donc, on a envisagé que c'était beaucoup plus facile de toucher finalement les acteurs qu'on voulait rejoindre, les utilisateurs et les participants. On a donc prévu dans l'aménagement un aménagement très polyvalent. En fait, pour rendre les services qu'on assure déjà en enseignement supérieur et auprès des citoyens communautés, on avait déjà des ressources. Et on s'est dit, ben, dans le fond, on peut poursuivre tous ces services-là, mais on pourrait aussi encore optimiser l'utilisation de ces outils-là. Donc, dans notre contexte, comme le disait Martin, il y a plusieurs chemins pour arriver à un Fab Lab. Dans notre cas, c'est vraiment, ça s'est déployé de manière organique dans la perspective finalement de mieux utiliser, de mieux réinvestir ce que nous avions déjà bâti ou construit. Évidemment, on voulait le faire avec les acteurs du milieu, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, au départ, même si on avait cet objectif et qu'on se sentait en mesure finalement de déployer le Fab Lab, on a consulté les acteurs principaux des collèges qui nous entourent et aussi finalement des groupes communautaires qui sont concernés ou pourraient l'être. Et on s'est assuré qu'il y avait effectivement potentiellement de l'intérêt pour la finalité du projet. Donc, on a réservé à peu près 2000 pieds carrés. Donc, il y a 2000 pieds carrés qui sont à peu près parce que selon la configuration des espaces, ça peut plus ou moins varier. Mais en fait, vous le voyez dans le document, si vous allez un petit peu plus bas, vous allez voir finalement qu'on a essayé d'un point de vue technique, de planifier un aménagement d'espace qui soit le plus convivial possible et le plus attractif. Et je m'explique, les utilisateurs participants qui sont visés, ce sont les enseignants. Et les enseignants sont déjà très bien soutenus dans les collèges. On sait que malgré cela, on s'entend les collèges et les établissements, que ce soit des commissions scolaires ou autres, on peut toucher diverses catégories d'enseignants. On sait que, en fait, souvent, la promiscuité dans les bureaux ou encore les heures d'accès sont pas toujours favorables. Donc, l'idée, c'était de leur offrir un espace qui soit vraiment le plus stimulant possible. Pas trop, enfin, où on sent pas trop la dimension académique, même si nous, c'est vraiment notre champ premier d'intervention, et où il y a, qu'il soit vraiment favorable à l'échange et la discussion.
Donc, c'était quand même un bon défi parce que il faut que cette dimension conviviale soit présente, mais tout en demeurant, en fait, tout en maintenant des objectifs d'efficience. Alors, on le voit un peu là sur cette photo ici. Là, il y a une micro-cuisine, donc il y a un espace café où les gens peuvent se servir et tout ça. Les intrants sont déjà là. Il y a une grande salle qui peut accueillir jusqu'à 15 personnes avec tous les équipements. Alors, on pense là, imprimante, projecteur, téléviseur, bon, etc. Et d'autres espaces que vous voyez aussi dans les photos où effectivement on peut aussi travailler en groupe, en sous-groupe et qui sont tous équipés, café, etc., etc. Ce que vous voyez aussi parmi les équipements localisés dans l'espace, on reviendra sur les autres plus petits équipements. C'est beaucoup le laboratoire d'enregistrement audio, les espaces de montage, les espaces de capture vidéo, montage vidéo, en fait, la panoplie des outils qui sont requis pour réaliser des productions. Ceci étant, on a bien sûr des ambitions. On a déjà dans notre grand ensemble de ressources la Pop Boutique qui permet finalement à des utilisateurs, des participants de mettre à disposition des utilisateurs des ressources libres, libérées de droits, à donner, à partager, et voire même à la limite à rendre disponible moyennant un certain montant. C'est le principe finalement de l'auteur qui peut développer finalement son réseau de diffusion. Donc, c'est un outil très fonctionnel et utiliser. Là, je m'en trouve en double. Bref, de toute façon, vous avez accès à la page web, donc je prends pour acquis que vous y naviguez. Bien sûr, les grandes orientations du Fab Lab. On s'adresse à une clientèle qui est déjà dans le monde de l'éducation ou qui fait trempette ou intervient dans le monde de l'éducation. Donc, on présume que ces gens-là ne connaissent pas les grandes orientations qui détermine ce que sont les Fab Labs. Donc, on s'est assuré finalement que si vous cliquez sur le bouton Fab Lab, finalement, on s'est assuré que ces finalités-là sont bien comprises. Il est certain que la POP, le Fab Lab vise tant à respecter les critères de conformité, les principes établis par le MIT, mais on s'entend qu'il est encore loin de la coupe aux lèvres. On a encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver à cette étape. Nous poursuivons. Les outils numériques, si vous cliquez sur le volet principal, évidemment, on parle beaucoup là, de ressources de base, mais bien sûr, les ressources, les périphériques, disons, plus ou moins utilisés, mais ben, quand même, on pense que c'est important qu'ils soient disponibles. Donc, casque de réalité virtuelle, projecteur de transfert macro, Raspberry Pi, Arduino. C'est sûr que là, on est en processus pour acquérir des assistants personnels parce que pour nos utilisateurs qui sont dans les communautés, les personnes aînées, il y a beaucoup de familles qui veulent faire des petits procéduriers, des petits guides pour aider les parents aînés à bien fonctionner avec les assistants personnels, les outils connectés. Donc, il faut que nous aussi, on soit équipés pour être capables de bien supporter et explorer tout ça. Les utilisateurs participants doivent nécessairement apporter un ordinateur portable. Bien sûr, on a toujours ce qu'il faut pour dépanner en cas de bris, etc. Mais en fait, tous les autres ressources numériques, c'est des ressources de base pour justement opérer des stations de montage, etc. Ça reste bien fondé.
Les types de projets technopédagogiques qui peuvent être assistés, alors il y a quatre niveaux. En fait, on a senti le besoin de bien définir ces catégories au départ pour essayer d'encadrer finalement la pratique. Comme le disait Martin, il y a quand même des outils qu'on ne peut pas laisser en accès sans assistance et sans soutien. Parce que ça générerait des bris. Bien sûr, nous sommes une organisation à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale. Nos budgets sont très ténus, on doit être très rigoureux dans notre façon de gérer le projet. On s'est doté d'un cadre qui permet finalement aux gens de comprendre que parfois, s'ils n'ont pas un projet, s'ils veulent juste explorer, alors ça va très bien, ça rentre dans notre cadre opérationnel. S'ils veulent s'approprier, ça va très bien. S'ils veulent aller plus loin, ben on est capable de les assister. On peut les mettre en contact aussi avec d'autres intervenants qui travaillent dans finalement le même champ d'intérêt. La problématique qui fait partie de notre préoccupation ce matin, c'est comment on réussit à financer ça. On n'est pas un collège, on n'est pas un CCTP, on est une OBNL dont la mission est vraiment très, très orientée. Bien sûr, on a une catégorie d'utilisateurs qui ont des priorités, compte tenu du fait que nous avons un fonds collectif de perfectionnement pour les collèges membres. Eux ont nécessairement des avantages. Bien sûr, on a comparé, on a regardé le marché. Quand on dit le marché, là, on s'entend. On a regardé les initiatives, les aventures de tous nos commettants, puis aussi des groupes comme les vôtres. Bien sûr, on s'est inscrit dans une logique d'utilisateur-payeur. Bien sûr, avec des forfaits qui sont très abordables, mais il reste que quand même, notre logique est la suivante. Combien ça coûterait pour être capable d'avoir accès à ces outils-là dans un contexte très facilitant, très convivial, etc. En aucun cas, les contributions des utilisateurs ne peuvent servir à autre chose que finalement permettre l'entretien du local et des ressources humaines qui sont là. À cet égard, historiquement parlant, il faut quand même le dire, ce qui nous a beaucoup alimenté pour développer cette hypothèse de Fab Lab en technopédagogie, c'est aussi que nous offrons déjà depuis 3 ans au collège un équivalent Alloprof, mais inversé. C'est le service APOP 411. Ce service-là est disponible de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir, les lundis, mardis, mercredis, jeudi et le vendredi jusqu'à 17 h, et les fins de semaine entre 10 h et 16 h, les samedis, dimanches, en présence ou à distance. Si vous allez sur la page d'accueil du site de l'APOP, vous allez voir quelles sont les conditions associées au service APOP 411. Ces ressources-là sont déjà là. Donc, on s'est dit, en faisant finalement, en rendant à terme ce projet-là, on optimise encore finalement, permettez-moi l'expression, l'exploitation de nos ressources humaines à bon escient, et on optimise aussi le transfert de l'expertise qu'on a déjà. Ça nous a beaucoup soutenus dans le processus. Pour des raisons aussi quasiment symboliques, pour participer au Fab Lab, il faut devenir membre individuel de l'APOP. C'est une adhésion annuelle de 20 $. Ça, c'est important pour nous pour être vraiment dans le jeu. On a voulu aussi se garder une certaine souplesse qui tient compte aussi de notre statut et de nos contraintes. Actuellement, vous voyez, dans la semaine du 11, il y a un horaire d'ouverture parce que on avait finalement un événement pendant les 3 jours de fin de semaine. On doit tenir compte de ça parce que il faut aussi que ça soit jouable, viable.
Donc, les horaires peuvent varier. Les lundis, nous les avons conservés. Le Fab Lab n'est pas ouvert pour toutes sortes de raisons, en fait, je dirais fonctionnelles et stratégiques. On a besoin de nos locaux pour faire certaines activités qui sont le propre de notre mission. Et bon, toujours pour essayer d'alimenter et de documenter toutes ces informations, on s'est mis à la place de l'utilisateur qui se pose des questions sur finalement les finalités du Fab Lab, toujours du point de vue d'un utilisateur qui a des besoins dans le champ de la technopédagogie. Alors, si vous utilisez finalement, là, les onglets, vous êtes en mesure là, de voir un peu quelle posture on a pris. Nous n'avons pas terminé. On veut que la fac, la foire aux questions, soit cible un peu plus certaines autres catégories d'utilisateurs. Donc, nous n'avons pas terminé notre opération de mise en valeur et de diffusion, ce qui ne saurait tarder puisque nous sommes déjà dans ce processus. Maintenant, peut-être parler avant de terminer, en fait, des défis qu'on a à relever, même si là, le bébé est vraiment dans le berceau, on pourra dire. En fait, c'est un changement de paradigme. Plusieurs l'ont soulevé, je vais encore une fois pas vous paraphraser. En fait, nous, on est parti du principe où un enseignant ne peut pas toujours travailler à la maison ou dans son établissement, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez très bien. La même chose pour d'autres utilisateurs versus les citoyens communautés ou encore les entreprises qui ne disposent vraiment pas des outils pour faire de la production technopédagogique, de l'innovation technopédagogique. Et on s'est dit, beaucoup d'enseignants vont travailler dans les cafés, dans les restos, dans des espaces publics, dans les bibliothèques. Je vais en paraphraser un qui m'a dit, oui, moi, il faut que je change le mal de place, il faut que je travaille dans un autre contexte. Alors, dans le fond, ce qu'on essaye de relever comme défi, c'est d'être présent, de pouvoir offrir finalement un Fab Lab dans lequel il va y avoir, oui, de la créativité en mouvement, il va y avoir de l'exploration, il va y avoir de l'innovation, il va y avoir surtout de la co-construction, de la collaboration. Et dans laquelle aussi la valeur ajoutée, ça va être le support qu'on peut leur apporter pour qu'ils puissent justement, dans cette espèce de convergence de facteurs, être mieux équipés pour travailler dans le cadre de leur engagement professionnel dans leur établissement. Donc, c'est un très gros défi. On veut aussi rester ouvert. Donc, on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont à l'extérieur, qui profitent beaucoup de nos activités d'accompagnement, de perfectionnement informel et qui veulent travailler, échanger avec d'autres. Donc, ça va être aussi une occasion de les mettre en contact. Il y aura toujours une salle dans laquelle il y a une session de visioconférence qui sera ouverte et à laquelle tout le monde pourra accéder, quel que soit le moment ou la distance dans les heures ouvrables, et interpeller les gens qui sont à la disposition des utilisateurs participants. Écoutez, on est bien modeste, on a l'expérience. Les services peuvent nous sembler très adéquats. On a le désir de rendre tout ça à terme avec qualité, mais le facteur temps est un facteur très déterminant. Et dans notre cas, c'est notre trame historique. En fait, il faut progresser tout doucement, faut aider les gens à voir les choses autrement. Et faut quand même le dire, la dimension de partage, de collaboration, de co-construction, ce n'est pas quelque chose qui est si intégré que ça dans les pratiques professionnelles, je dirais au collégial en particulier, en enseignement supérieur de manière plus générale. Et citoyen communauté, ce n'est pas simple non plus pour toutes sortes d'autres raisons. Ce n'est pas une question de culture, c'est beaucoup plus une question de ressources et de développer une approche du faire ensemble, du travailler ensemble, du partager ensemble. Voilà, on est tout modeste dans cette dimension et on va faire nos classes comme tout le monde. Voilà. Ok, bon, au moins il y a ça, c'est bien.
Au moins, vous m'entendez. C'est déjà bon signe. Parfait. Merci beaucoup, Hélène, pour votre présentation. Personnellement, pour avoir visité vos bureaux, vous avez des installations vraiment très chouettes. C'est vraiment très beau et on y voit vraiment l'esprit de travail, de collaboration qu'on peut accomplir dans cet espace-là. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle approche-là de l'utilisation de votre espace. Je crois que ça va faire un franc succès. Et je crois c'est ça, vous avez un événement qui va avoir lieu prochainement à la fin février, dans lequel nous allons collaborer. Et donc, espérons que j'ai bien hâte d'aller exploiter vos locaux. Ça va être bien de fun. Tout le monde est bienvenu, d'ailleurs, je dois le dire. On est sur le chemin Sainte-Foy, tout proche de Garneau, tout proche de Laval et de Sainte-Foy. Donc, vous êtes les bienvenus tous, n'importe quand, aux heures ouvrables. C'est vraiment ouvert grand public. Merci Donc, ça beaucoup, sera un Hélène. plaisir pour un café. Merci beaucoup, Hélène.